Bienvenue au 20h, édition spéciale ce jour. Depuis Itodi, ce qui se passe avec l'opposition de M. Biya, Maurice Kamto, l'un des artistes Longue et Amer Kamé. En fait, tous sont des Camerounais, il faudrait très bien retenir cela. Mes amis, bienvenue au 20h édition spéciale de cette discussion ce jour. Qu'est-ce que M. Fingon Tralala, l'homme politicien, a fait ce jour? Il faudrait donc retenir que lorsque on a craché sur M. Biya en disant qu'il devait perdre les élections si on devait encore organiser. Après maintenant, c'est Longue, il est du côté de l'exil. Fingon a acheté ce prix, il a dit à Longue que toi, tu n'es qu'un petit violeur. Monsieur Biya t'a défendu, il a donné 40 millions de francs pour que tu puisses sortir. Mes amis, étudiés en panique ce jour, Madame Biya est en larmes. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour avec sa fille. Si vous le voulez très bien, écoutons cette très grande réalisation que l'un de notre journaliste exclusif vous... Quand on est un gros, c'est qu'on est intelligent. Hein? Quand la tête est grosse, on est intelligent. Amougou Belinga a été enfermé. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Amougou Belinga a été enfermé. Parce que Amougou Belinga n'a pas entre Amougou Belinga et Fouda. C'est grave entre les deux. Fouda déteste Amougou Belinga, vous n'avez même pas idée. Et Fouda déteste Amougou Belinga par rapport à qui? Par rapport à Mbargangele, par rapport au business qui s'est passé en Centrafrique. Par rapport au business qui s'est passé en Centrafrique. Vous voulez que vous ouvrez le business là? Par rapport à une affaire de trafic d'armes qui s'est passée en Centrafrique. Mbargangele a rendu un service. Amougou Belinga a chopé les dos. La tension est montée. Parce que derrière Mbargangele, avec qui? L'amiral Fouda. On a demandé à Mbargangele que tu veux combien? C'est lui-même qui avait dit que je veux minimum 200 millions. Je ne vous donne pas les chiffres exacts, sinon on va savoir qui m'a donné l'information. C'est lui-même qui avait dit que non, je veux minimum 200 bâtons. On a compté 200 bâtons, on a donné. Et pourtant, le président avait donné plus de 5 milliards. Voilà où la guerre entre les deux. Voilà la guerre entre les deux. Et quand Fouda a compris ça, Mbarangela a commencé à parler fort. Amougou Belinga a parlé fort parce qu'il est tenu. Vous pensez que quoi? Parce qu'Amougou Belinga ne donne pas l'argent au pays. Ne vous comprenez pas, parce qu'Amougou Belinga ne choque pas ces gens-là. Voilà pourquoi on a directement pris donc. Comment ça s'appelle encore? L'exécutant là. Voilà comment on a donc piégé. Rappelez-moi encore le gars là. Celui qui a monté l'opération. Faut que j'entre dans mes fichiers. Le général qu'on dit que là. Non, pas Echo. Ndangwe. Voilà pourquoi on sait que Ndangwe était donc en collaboration de fois avec Amougou Belinga pour lui donner un peu les informations en Centrafrique. Voilà donc pourquoi Mbanko était le piège pour Amougou Belinga. Voilà donc pourquoi, pour mettre Amougou Belinga dedans, on a fait semblant de donner des fausses informations à Martinez Ogo. Qui donne les informations à Martinez Ogo, d'après vous? C'est la femme de Ngongo. Qui donne les informations à Martinez Ogo, en faisant croire à Martinez Ogo que ce sont les informations top secret. Toutes les informations que Martinez Ogo avait sont des fausses informations. C'était des fausses informations, tout le monde le sait aujourd'hui. Et alors, c'était pour but de piéger Amougou Belinga parce qu'il fallait que quelqu'un porte le crime. Ndangwe seul n'était pas crédible, il fallait donc qu'on associe donc Ndangwe à Amougou Belinga. Voilà comment on piège Amougou Belinga à l'intérieur. Mais tout le monde sait que Martinez Ogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo. Tout le monde le sait à Yaoundé. Il faut être idiot. Après de lancer cette campagne de salissement qu'on a lancée. Je vais revenir sur cette affaire. On était d'abord sur l'affaire de
on était sur l'affaire de... Non, j'attends, je dois aller au sport, j'attends que le... Parce que là, comme je sors, je me descends là. Non, à moi, voilà pourquoi on vous dit souvent, il y a une différence. Être blogueur, c'est aller chercher, aller choquer. Aller choquer. Ça, c'est être blogueur. Ce n'est pas genre, tu arrives quelque part, non. Tu prends l'information propre, tu verses ça. Les bêtises n'utilisent pas Maud. Maud fait le live. Non, Maud ne déteste pas les Bamlékés. Nuance. Maud fait ce qu'on appelle... comment elle veut dire? Maud pense qu'en soutenant les bêtises, ça peut être bien pour lui, sauf qu'il se trompe largement. Je préfère que Maud soutienne les passages lui-même. Moi, il ne peut pas soutenir un bêtis. Jamais. Pourquoi? Paul Biya va mourir, tout le monde va se positionner. Même moi, je positionne mes gens. Comme les Bamlékés veulent positionner Kamto, c'est comme ça que moi, mes camarades veulent positionner Samuel Eto'o. Vous pensez qu'ils veulent positionner qui? Ouais, comment elle peut laisser Samuel Eto'o pour aller positionner Franck Biya? Jamais de la vie. Comme les Bamlékés peuvent positionner Kamto, nous-mêmes là, nous voulons positionner Samuel Eto'o. Chacun positionne que son frère. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on ne cherche pas de midi à 14h. Quand tu entrais à la police nationale, ce sont... Mais ils ont tout au pays, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont tout au pays. Non, je vais vous dire quelque chose. On va recentrer le débat sur le cas de Longuet. N'oublions pas d'abord que Longuet est un indique du gouvernement pour infiltrer tous les chanteurs et tous les artistes afin de venir donner les renseignements. Je vous rappelle que le frère de, pour ne pas dire le cousin, de Longuet est responsable d'une antenne sémile. Le frère de Longuet est responsable d'une antenne sémile. Ça veut dire tout simplement que Longuet est un indique. Faut pas qu'on se... Faut pas qu'on se trompe. À un moment donné, prenez d'abord les renseignements sur Longuet et son entourage. Le frère de Longuet dirige une antenne sémile. Son cousin. Longuet est pote avec Tabara. Je vous ai dit, renseignez-vous. Renseignez-vous d'abord. Parce que si Longuet refuse de porter plainte contre l'État du Cameroun et préfère aller porter plainte en banque, trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Si Longuet refuse de porter plainte à l'État du Cameroun, préfère porter plainte en banque à Tabara. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franquin, j'ai le gros cul de ta main avec les Bamlékés. Tu as compris, idiot. Il était bloqué, tu es venu avec l'autre compte. Il te bloque encore celui-ci. Les Bamlékés ne donnent plus les vœux, je ne suis plus là-bas. J'ai pris tous les vœux que vous avez les Bamlékés, je ne suis plus là-bas. Ils sont contre tous ceux qui ne sont pas. Personne n'a mangé le buzz du tribalisme comme Amer Kamer. Personne.
Moi, j'aimais ça parce que ça me donnait les vues. Tout simplement. Maintenant, j'ai plus besoin. J'ai atteint ma popularité, j'ai plus besoin. Tout simplement. Mais tout à fait. Aujourd'hui, on vous dit toujours. Longa Longa a le don. Je vous dis que Longa Longa, c'est un artiste malhonnête. Longa Longa, c'est un artiste malhonnête. On le sait tous. Mais moi, je défends seulement la torture faite sur Longa Longa. Longa Longa a volé les lunettes de Raymond Tienga ici sur les Champs-Élysées. Les quartiers de Raymond Tienga. Il a voulu revendre les quartiers là, c'est là où on l'a arrêté. Si Raymond Tienga en voulait, c'est que Longa Longa en prison. J'ai le voice. J'ai discuté avec Raymond Tienga comme ça en plein live. J'ai discuté avec Raymond Tienga, le souverain Raymond Tienga en plein live. Il va vous dire, Longa Longa a volé ses lunettes. C'est en partant le vendre ça qu'on voulait appeler la police. Pensez que quoi? Pourquoi aucun artiste ne soutient Longa Longa d'après vous? Pourquoi Longa Longa n'est soutenu par aucun artiste? C'est à cause de sa malhonnêteté. C'est à cause de sa malhonnêteté qu'il n'est soutenu par. Donnez-moi un seul artiste qui a soutenu Longa Longa, un seul. Qui est sorti pour dire que non, soutient Longa Longa. On a préféré aller soutenir Viviane. Jusqu'à ce quand, c'est quand la torture de Longa Longa sort que Malox bombarde Viviane. Malox, respect. Tu as parlé, tu as fait, on a vu. Et ta part de Viviane, là, c'est la mort seulement. Parlons peu. Pourquoi aucun artiste ne soutient Longa Longa? Ils savent que l'ingratitude de ce gars, ça ne dit pas. Ils savent que l'ingratitude de ce gars, moi, ce gars, je l'ai. C'est-à-dire que ce gars, d'abord, c'est pas le genre de... Mais la fille, elle est fait son poussé. Hein? Ah ouais, elle est enceinte. Ah ben, étonné. Donc, il disait donc ceci. On parlait même de quoi là? Non, parlons bien. Ça tombe bien. Si, attends, je cherche Tête Dure. J'ai demandé à Tête Dure hier de descendre. Quelqu'un l'a refusé. Attends, je cherche Tête Dure. Tête Dure où là? Attends, j'ai le modérateur. Tête Dure. Je te cherche. Ça tombe bien, Sicilien. Oh, Sicilien, tu es mauvais. Hein? Sicilien, tu es mauvais. Tu viens carrément gérer. Comment on peut pour. Attends deux secondes. Paramètres à mission. Voilà, Tête Dure. Voilà, Tête Dure. Voilà. Tête Dure. Enlevé. Voilà. J'ai enlevé Tête Dure. Quand on est Moudou Chamel, quand même, ça veut dire qu'on a la visibilité. Quand j'arrive dans un panel de mes Moudou et que je demande à descendre quelqu'un, que la personne hésite un peu seulement comme ça, je te le dis, Moudou. Je reviens. Ce n'est pas une histoire que j'invente. Allez sur mes lives, vous allez voir comment le souverain Raymond Tienga dit comment Longa Longa a volé ses lunettes. Et quand il y a quelque chose qu'on tourne autour du pot. Vous-même, regardez d'abord. Regardez. Que tu appelles un artiste pour le choco, il te vole encore. Voilà pourquoi moi, Fingon, je crois en Fingon. Rien que pour ça, je crois en Fingon. Mal mauvais. Je ne peux même pas douter de Fingon. Je vois les gens dire que oh, Fingon. Fingon a raison. Longa Longa est un traître. Longa Longa, c'est un indique. Vous parlez de quoi? Si Longa Longa n'est pas un traître, qui porte plainte à l'État du Cameroun? Pourquoi Longa Longa vient dire que ce n'est pas la faute de Paul Biya? Pourquoi Longa Longa vient dire que ce n'est pas la faute de Paul Biya? Oh non, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Tu es fou. Tu es fou. Tu fais ça comment? Ngo, ce n'est pas Paul Biya qui dirige. Vraiment, ouais, les artistes à l'école, s'il vous plaît. De base, à l'école.
Les artistes là, de grâce, aller à l'école, c'est important, ça peut vous sauver demain après demain. Être aussi bête intellectuellement parlant, vraiment, c'est pas donné. C'est pas donné, je ne sais pas. Bloque-moi, Cicilien, bloque. Cicilien, en commentaire, tu. Mais Cicilien, je veux. Cicilien, voilà, merci Cicilien. Tu bloques, tu n'es pas là pour savoir si tu bloques. Vous parlez même de quoi? Merci Cicilien. Vous parlez même de quoi? C'est facile aujourd'hui. Hein? Tout le monde dit aujourd'hui que oui, ce qu'on a fait à Longue, oui, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Mais on oublie quand même le CV de Longue. Quelqu'un qui allait vendre les autres artistes. Ça, on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que Longue traitait avec ta valeur de prendre l'argent, aller faire le business avec ta chakala? Un artiste qui fait les business avec les renseignements généraux au Cameroun, vous trouvez qu'il est crédible? Vous trouvez qu'il est crédible? Parlons peu, parlons bien. Vous trouvez qu'il est crédible? Mais c'est pas possible. On est contre la torture. Mais à un moment donné, moi ce qui est sûr, au Cameroun, j'ai deux enregistrements. J'ai un enregistrement où je suis avec le ministre Yébé. J'ai un enregistrement où je suis avec le DGSN. Où on m'a demandé, j'ai dit c'est enregistré. J'étais assis comme ça là. Le ministre me demande que tu veux combien. Il dit non, je ne veux rien. J'ai dit je ne veux rien. Les audios sont là. J'ai dit que je ne veux rien. De fois quand les gens sortent pour dire que oh Amen, Cameroun m'a donné l'argent. Oh Amen, Cameroun. J'ai refusé l'argent au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Les gens n'ont jamais su ce qui s'est passé comme à Yaoundé sur le à Yaoundé. C'est parce que j'ai refusé l'argent que les VP de Longue et Edouard m'ont arraché la page. Parce qu'ils m'ont reproché que tu ne peux pas aller voir le ministre, on te demande l'argent, tu refuses. Il a dit que je ne suis pas dedans. Ce n'était pas pour finir comme Martinez Ogo. Ils sont là, hein. Ils sont là, c'est man. Je suis le seul qui a rencontré tout le monde au Cameroun. Je suis le seul. Ils ont créé, on appelle encore ça comment, le truc qu'ils avaient écrit pour me combattre. Ils avaient créé notre truc. Demandez à vous, ça tombe bien, il est souvent là. Demandez à Bobson. Bobson était à Yaoundé avec nous. La seule personne qui partait voir les autorités, c'était Améka, mais c'est moi qu'on voulait. Ils ont créé un réseau des patriotes. Pour combattre la brigade des patriotes, ils ont créé le réseau des patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé l'argent au Cameroun. Ils savent ça tous. Parce que moi, je suis pas un mendiant. J'avais mes affaires qui roulaient bien ici. J'ai mes affaires qui roulaient bien au Cameroun. Ici en France, j'avais pas besoin de cet argent-là. Demandez même à Guylaine. Un des problèmes que j'ai eu avec Guylaine, c'est parce qu'il a refusé l'argent. Demandez à Guylaine. Quand on m'envoyait prendre l'argent, j'arrive là-bas, il reste comme ça là. Il finit de parler, il dit que non, pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Non, il n'y a pas de souci, pour l'instant tout va bien. Quand je sors de là, c'est la guerre. Oh, tu ne peux pas aller comme ça, tu ne peux pas faire ceci. C'est pour ça qu'ils ont créé le réseau des patriotes, c'était pour me combattre. Et ils ont créé le réseau des patriotes en faisant comment? En volant ma page. L'ancienne page de la brigade des patriotes. L'ancienne page de la brigade des patriotes, c'est le réseau des patriotes. Parce que comme VP de Longue, parce qu'il faut comprendre l'historique, hein, comme VP de Longue était modo, et quand Minasso était modo, quand je refusais les gens à Yaoundé, ils m'ont sauté de la page. Quand ça a créé, les gens ont commencé à demander à ces gars la vérité, vont vous dire que Amer Kama était bête à Yaoundé, Amer Kama a refusé l'argent à Yaoundé. Voilà pourquoi on est resté dans cet état. Tu vois, quand il voit les gens me disent qu'Amer Kama, tu as ramassé l'argent, dis-leur qui vous dise la vérité. Demandez à qui vous dise la vérité. J'ai été interpellé au Cameroun plus de 11 fois. Il est interpellé. Que quand l'avion arrive, comme ça, on m'appelle, comme ça, on me prend, on me met, comme ça, on me dit que tu connais tel. Je dis que non, je ne connais pas tel. On sort comme ça, on me montre la conversation avec la personne en inbox. Il dit yes. Deux fois encore, on m'appelle. On me dit, tu viens, on vient te chercher. Je dis que non, j'arrive, venez-moi sur mon rendez-vous, je viens. Vous parlez de quoi? Par contre, on ne veut pas parler, parce qu'on ne veut pas dire certaines vérités.
Vous pensez que pourquoi on m'a retiré la page de la brigade? Vous pensez que Longuet Longuet, Longuet Longuet, c'est un indique. Longuet Longuet, c'est un indique. Le travail de Longuet Longuet, je suis sûr à 200% que c'était de livrer les artistes qui coopéraient, qui ne coopéraient pas. Vous parlez même de quoi? Parce que je ne veux pas parler. Si moi-même, ma mère, quand même, on m'a mis les dios comme ça devant, on me dit, tu veux combien? Et que je refuse. Vous pensez que c'est pourquoi? Le cousin de Longuet Longuet est responsable du sémin. Sécurité militaire. Pour ne pas dire que c'est un anti-gang, qui est responsable de cellule anti-gang. Qu'est-ce que Longuet Longuet va traiter avec autant d'argent? Mais pourquoi on te donne autant d'argent? Ça veut dire que tu es dans la matrice. Arrêtez de tourner tout autour. Oh, Longuet 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 Longuet. Oui, on vit, c'est bien qu'on partit à sa souffrance. Mais la vérité, posez-vous une seule question. Est-ce qu'il ne méritait pas ça? Pour tout ce qu'il a. Imaginez-vous tous les renseignements qu'il a donné, qu'on a torturé les autres. Pourquoi quand c'est son tour, on vient se pleurer? Pourquoi quand c'est le tour de Longuet Longuet, on va avoir pitié de lui? À un moment donné, je vais vous dire, je vous fais sortir ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit. Vous allez arrêter de le défendre. En gros, c'est comme si on est en train de défendre quelqu'un qui a passé son temps à livrer ses frères. Aujourd'hui que ça appuie sur lui, on le défend. Et pourtant, on oublie qu'il a livré ses frères. Posez-vous la question, pourquoi Kamto ne le gère pas? Peut-être même qu'il s'est rapproché de Kamto pour prendre le renseignement de tous les artistes qui voulaient collaborer avec le MS et donner leur nom. Peut-être que c'est ça. Vous pensez que pourquoi elle a en Balsero? C'est parce que Balsero a voulu. Moi, je ne suis pas d'accord avec Balsero la plupart du temps, mais quand Balsero dit vrai, on dit vrai. On dit vrai. Quand j'entends qu'il était dans les mains de Tabala, avant même que Longuet Longuet ne soit tapé par Tabala, Tabala, c'est le pote du cousin de Longuet Longuet comme ça, celui qui est responsable d'Antenne Simi, Aïdéa. C'est le pote de Longuet Longuet comme ça là. Vous parlez de quoi? Quand vous êtes blogueur, allez vous renseigner. C'est la différence entre moi et vous. C'est que vous voulez faire du blogging, mais vous n'avez aucun renseignement. Aucun. Le renseignement, ça se paye cher. Voilà pourquoi quand on est en live comme ça, vous envoyez les cadeaux. Pas de personnes comme ça, vous voulez parler avec qui? Vous avez des renseignements? Vous pensez que pourquoi ils ne parlent pas au Cameroun? Ils savent que si on pose mon pied au Cameroun, ils vont fuir. Mais normalement, on va me mettre la salade. Ils savent ça, que si on pose mes pieds au Cameroun, ils vont fuir. Ils sont toujours là, mais ta mère rentre ici. Amène ta mère, viens. Amène ta mère, viens faire quoi? Et quand elle parle longue, là-bas, ça ne suffit pas. C'est sûrement que vous voulez faire l'autre chose. Je suis en train de faire la missive en même temps. Nous, on restait comme ça, venir déranger les gens. Non, on va se dire nos vérités. Est-ce que c'est les trucs? Non, on va se dire nos vérités. Ça, c'est pas les trucs qu'on va parler de Jacques. Non, t'as voté partagé, oublié maman. T'as voté partagé. T'as voté partagé. La famille, t'as voté partagé. Mais là, est-ce que tu es fou? Il a dit ceci. Oh, alors si. Oh, Nibé Melonga. M'intéresse Nibé Melonga. Je vais vous jouer fort. Je vous dis. À l'heure-ci, le Cameroun ne me fait même pas peur. Je vous dis, Garo, je vais d'abord faire des poissons simples pour qu'on se rende. Tous mes enfants sont nés en Bengue. Tous. Il n'y a aucun de mes mounas qui n'est pas né en Bengue. Tous mes mounas sont nés en Bengue. Je n'ai aucun mouna au pays. Je n'ai aucun mouna au pays. À partir de là, il peut parler comme je veux. Attends. Je ne suis pas pressé que je parte au pays faire quoi? Parce que je suis bête. Ouais, mais quand même, même si mon père meurt, on va l'enterrer sans moi. Vous pensez que non, vous pouvez me piéger. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas faire l'erreur là. Hey, à l'heure, si même si mon père meurt, vous n'allez pas me voir. Zéro à mes camés là-bas. Peut-être vous pensez que non. On va attendre quand le père, la mère, quand même va mourir. Comme ça, au moins, il va venir enterrer son pont, le caca. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas me voir. On connaît vos magouilles. Moi, tout ce que je sais seulement, c'est que le jour où Mbanku va mettre ses pieds ici en Bengue, on va le faire, ça tue. Mbanku,
Le jour où tu vas foutre tes pieds à Mbengue, on va te faire ça, tu. Avant que la police de Mbengue vienne te tcha, on va te faire ça. On te dit, prends la partie si tu gardes. De la même façon que tu nous attends au Cameroun, Mbangui, quand tu as posé tes pieds à Mbengue, tu as l'île. On te dit, ce n'est pas comme tu marches sur un que tu marches caché. Tu pars rester à 3 ou tu pars sur un rester là-bas chez Dangar de 3 là. Le tout aussi. N'oublie pas que quand tu arrives sur un les gars qui nous collent, non. Tu as l'île le tout. Et on va mettre même une somme. Que Mbangui arrive au Cameroun, on met un prix. Que celui qui nous donne la localisation de Mbangui, voilà ce qu'il va gagner. On va commencer à mettre les prix aussi sur vos têtes. Pensez que c'est vous seul qui pouvez faire ça. On va commencer à mettre les prix sur vos têtes. Vous inquiétez même pas. Vous posez vos pieds en bain. On vous massacre. Ayez même vos passeports diplomatiques. Le passeport diplomatique n'interdit pas la bastonnade. Le passeport diplomatique ne bloque pas la bastonnade. C'est seulement un rappel. Si vous pensez que quand vous avez les passeports diplomatiques, ça peut bloquer la bastonnade, vous allez taper. Vous allez taper à côté. Vous avez tapé à côté. Une bande de sanguinaires. Il attend un courrier depuis là. Il attend un recommandé depuis là. Les autres parlent pour parler. Est-ce qu'ils connaissent des choses? Même quand moi la panthère, c'est qu'elle met à le renseignement. Est-ce qu'il blague? Il sait qu'elle est le renseignement. Voilà pourquoi quand moi je parle, il y a un autre mouvement l'autre jour, il est venu, si c'est à Sainte. Défends ton pôle bien tranquillement, ne viens pas nous emmerder. Défends ton pôle bien parce que c'est ton frère du village. Moi je te comprends, je ne veux même pas te reprocher que tu défends pôle bien. Mais quand tu as commencé à m'insulter, et te dire seulement que pour les insultes, fais attention, tu es au pays. Je peux monter une galabo au pays, toi à Sainte, je peux monter une galabo au pays. Ton sang, quand ils sont sortis dans les réseaux sociaux, et tu finis avec ça. Comme vous pensez toujours que non. Ok, j'attendais que vous verrez. Pourquoi on se dit nos vérités? Pourquoi on ne va pas se dire nos vérités? On laisse ça, on te tape nos vérités au calme, propre. Comme ça, quelqu'un ne va pas venir à dire que Ngo, ceci. Pourquoi on commence à agir? Quand on voit seulement ces commandants arriver ici en bain, on fait leur fête. Mais je n'ai pas le problème. Parce que vous blaguez, continuez à penser que la révolution c'est un jeu. Continuez. Quand ça va cuire sur vous, vous allez lire. Parce que de fois vous prononcez souvent certaines phrases, vous ne connaissez même pas l'utilité. La patrie ou l'amour nous vaincront. Vous allez vaincre. Hein? J'espère pour vous que vous allez vraiment vaincre. Vous voulez, vous arrivez dans les panels. Toujours à parler que oh, Paul Biya parti, Paul Biya parti, matin, midi, soir. Vous faites quoi pour que Paul Biya part? Après, vous allez dormir, vous mangez votre roast beef. Quand on dit que Paul Biya doit partir, c'est une action. C'est des stratégies qu'on met en place. Vous avez compris? On ne se lève pas le matin pour dire que Paul Biya doit partir, on va rester tranquille. Tout le monde sera d'accord avec toi. Quand tu dis que Paul Biya doit partir, c'est des stratégies que vous mettez en place. On voit des gens passer, la visibilité sont sur les panels passer. Certaines vidéos circulant. Et surtout utilisé par
les sanguinaires du régime veulent nous montrer que Longa Longa a eu à monter de toutes pièces la vidéo. Ils vont même dire que c'est un scénario. Et ils vont certainement encore nous dire que la maquette là, c'était juste un film qu'on était en train de tourner, qu'elle était juste en éponge. Et que les clips viennent d'un studio d'enregistrement de cinéma. Bien évidemment, Longa Longa, comme je le disais, comme vous le saviez, après avoir été torturé, n'a pas bénéficié de beaucoup de soutien. C'est vrai, moi je l'ai soutenu. Mais au Cameroun, je peux vous le dire, ceux qui vous soutiennent, on les écarte. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que Longa Longa, pour qui je m'étais battu, était celui-là qui avait même fait une sortie contre moi. Et d'ailleurs, même Nouma qui lui donne la vidéo, il avait fait une sortie contre Nouma par rapport à Samuel Eto'o. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, puisque je vous ai dit, la vidéo a plusieurs provenances, mais comme je le dis, je le soutiens encore, cette vidéo était dans le téléphone de Nouma. Nouma a aussi ses entrées. Mais Evan Bapou avait cette vidéo. Il est aussi l'ami de Longa Longa. Cette vidéo était dans le iPhone qui se trouve entre les mains de la gendarmerie depuis 4 mois, où ils exploitent tout, sortent tout. Mais comme je le disais, le régime Biya s'est dressé les frères contre les frères, les familles contre les familles, les amis contre les amis. Et d'ailleurs, je ne vous mens pas, depuis qu'il est arrivé à Paris, je n'ai pas eu de contact avec lui. Mais moi, je continuerai à faire mon travail, à dénoncer ceux qui veulent absolument jeter l'opprobre sur lui. Ceux qui font et qui utilisent aujourd'hui certains arguments que oui, il est avec le régime, mais vous auriez voulu peut-être qu'il ne puisse pas utiliser son intelligence pour sortir du pays. Longa Longa n'avait pas de passeport. Comment allait-il voyager? Il a donc commencé à être un peu tendre. On a d'ailleurs vu les dernières fois que c'était Ketia Koutès qui lui mettait l'écharpe de Paul Biya. On a vu d'ailleurs qu'il regrettait d'avoir soutenu Maurice Kamoto, qui ne lui a pas donné, lui a apporté son secours, ou plutôt la solidarité. Mais c'est sorti. Tout comme celles qu'il a eu à commettre vis-à-vis de moi, sont compréhensibles parce que le régime Biya vous torture, vous humilie et vous contraint encore à le supplier jusqu'à dire que c'est eux-mêmes qui peuvent vous sauver. Il s'est mis à genoux, il a pleuré. Et puis, non seulement Ketia Koutès, on a même vu qu'elle était déjà avec une sénatrice que je ne veux pas citer, qui est connu dans certains endroits. Longa Longa a donc pu jouer à la partition voulue par le régime pour qu'il obtienne son passeport. Et d'ailleurs, ce passeport n'a pas été aussi facile d'être libéré dans ces conditions-là. Beaucoup ont oublié que justement, le passeport de Longa Longa, après plusieurs démarches, et même quand il dit que c'était seulement jouer les 1000 banquets, jouer les 1000 banquets derrière lui, il y avait d'autres individus qui le bloquaient aussi.
Et c'est après avoir fait des genuflexions devant le ministre de la Justice, dont ce n'est pas son rôle, Jean de Dieu Momo, qu'il a pu obtenir son passeport. C'était un début pour qu'il puisse sortir de l'enfer. S'il faisait la tête haute, il ne serait jamais sorti. Affaire du passeport, c'est aussi une réponse à Martial Eric Onangidi. À Mathias Eric Onangidi. Si Longuet Longuet était impliqué dans les affaires des Amazoniens, aurait-il eu un passeport? Laisse-t-on sortir un Amazonien? Un Amazonien est-il reçu par le ministre de la Justice, ministre délégué, Momo? Voici Momo qui remet le passeport à Longuet Longuet. Donc à un terroriste, à un Amazonien. Il faut que Owonangiri nous explique. Voici le ministre Momo. Longuet Longuet n'avait plus le passeport et le ministre de la Justice. Il m'a surpris sur les scènes de la télévision et de l'heure pour la nouvelle. Où je disais que l'un des rôles que le président peut avoir, c'est le rôle de facilitateur, faciliter, apporter le bonheur et de faire la joie à ton peuple, faire en sorte que les gens ne soient plus fâchés. Il m'a immédiatement pris le mot sur le plateau. Il est venu me dire qu'il y a son passeport qui n'est toujours pas sorti et il faut que je fasse quelque chose. Et c'était la semaine dernière. Je lui ai dit que ça rentrait également dans mes attributions. Que hier, quand je n'étais pas au pouvoir et que je voulais gagner beaucoup d'argent, je ne pouvais pas parler à cela. Maintenant, au pouvoir, étant au pouvoir, d'un coup de téléphone, je pouvais régler ton problème. Et de fait, j'ai réglé ce problème-là. Je suis allé voir le commissaire administrationnaire, c'est pas moi qui ai appelé le commissaire administrationnaire, pour lui demander de vérifier si le passeport de Longuet Longuet était là. Vous savez que il n'est pas seul à demander le passeport, il y a tellement de gens, il y a beaucoup. Vraiment, il y a la queue. Mais où est son passeport, son ancien passeport? J'ai plaidé pour Longuet Longuet. C'est un artiste international. Si on attend d'arriver à son tour, vraiment, il va trop rater. Et c'est notre ambassadeur. L'ambassadeur de la culture camerounaise. Nous devons lui donner aussi les prières. Donc, en attendant que plus tard, il reçoive une bonne médaille pour le travail bien fait, qu'il fait toujours, je suis allé donc chercher le travail. Le passeport qui est traité comme. Voilà. Tout est ministre pour un passeport. Longuet Longuet avec son passeport, avec des visas du Canada et tout et tout. Mais c'est ce passeport qu'il voulait. Il est parti où? Pourquoi vous l'avez arraché? Pour dire finalement que c'est le président Paul Biya et tout et tout. Mais le passeport ne suffit pas. Il faut obtenir les visas. D'autant plus que c'est un passeport vierge. C'est le même gouvernement qui a commencé à bloquer Longuet Longuet. Qui, plusieurs fois invité, ici dans la zone Schengen, ne pouvait pas entrer. Et pourquoi? Parce que vous savez que Kecha Koutes et tous ces gars-là sont des Français. Kecha Koutes est française. Les membres du gouvernement
ont mis le veto pour que l'onglet l'on n'entre pas à l'Union européenne. D'ailleurs, il a été jusqu'en Turquie. Il pouvait aller n'importe où, mais il ne pouvait pas venir à l'Union européenne. Il fallait donc de nouveau être avec eux. Selon moi, ça c'est une analyse. Mais cependant, après avoir dit ceci, je devrais soulever quelque chose. Longuet Longuet poursuit actuellement le gouvernement. Il demande 26 milliards, selon ce que j'ai appris. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce qu'ils sont actuellement, ces nouveaux porte-parole, et ce qu'ils ont en réalité comme objectif. Mais ce que je voudrais surtout relever, c'est que, à la manière que Longuet Longuet s'est comporté avec ces gens, eh bien, le syndrome de Stockholm, ça existe. En même temps aussi, lorsqu'on est dans des situations un peu compliquées, on peut même aller encore embrasser son pire ennemi. À la sortie, après sa sortie de prison, donc, Longuet Longuet s'est retrouvé le 22 septembre 2023 chez son nom, en train de chanter, chez le colonel Tabala, lors de son installation comme commandant de la base navale de Kédi. Nous sommes en 2023. Le 22 septembre. Bien évidemment, a-t-il oublié? Celui qui faisait qu'il pleure, qu'il soit si humilié. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le même Tabala l'a presque humilié ce jour-là, parce que quand il arrive de Paris, de Douala, avec ses danseuses, il est même un peu bloqué à la porte. Et on va dire à Tabala que Longuet Longuet là, il est venu prester. Il va dire non, 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 il va me déranger, il va me demander de l'argent. Je ne veux pas qu'il... Non, 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 non. On l'a rabroué. Moi, je sais ce que Tabala a dit. Longuet Longuet, lui, ne le sait pas. Mais Longuet Longuet a joué. Il est arrivé, il a joué. C'est vrai que dans la salle, il y avait des amis de Tabala, comme Pat Diamant. Ah, vous entendez Pat Diamant? Pat Diamant, c'est le président de FEMAN. Et comme je vous ai dit, Tabala connaît tout FEMAN. Et d'ailleurs, son installation à la base des crédits a été financée uniquement par des FEMAN. Donc vous vous rendez compte? Voilà les gens qui disent que ils poursuivent les bandits, qui poursuivent les FEMAN. Mais leurs amis intimes, ils sont d'abord des FEMAN. Pourquoi? Parce que, avec leurs armes, ils menacent les guerres. Les FEMAN, vous avez vu, la dernière fois, j'ai pris la défense de Pat Diamant ici. Parce qu'ils voulaient gratter de l'argent. Voilà donc des gens qui ont des grosses, les épaulettes bombées comme ça. Mais qui ne sont que des mendiants, des escrocs et des gigolos comme Tabala. Tabala, c'est un gigolo, un escroc. Longuet Longuet a fini de jouer là-bas. Selon Tabala, ce que Tabala raconte, c'est qu'il avait donné 1 500 000 à Longuet Longuet.
Je ne sais pas si c'est vrai. Parce que je sais que ce type ment comme un arracheur de dents. Mais ce qui me surprend, c'est que depuis quelques instants, je vois également certaines personnes s'indigner et dire par exemple que Tabala a des actions dans un restaurant qu'il faut aller saboter. Ce restaurant serait financé par lui. Mesdames et messieurs, je suis un enquêteur, je suis un journaliste d'investigation. Et je peux vous dire, ce que j'ai découvert sur Tabala m'a fait froid au dos. C'est vrai que je connaissais déjà Tabala. Nous avons été presque dans le même quartier à l'époque. J'habitais aussi bien assis. Et je crois d'ailleurs que c'est moi qui avais occupé la villa qu'occupait avant moi Ntungo Mpile, entraîneur Jordan. Mais il y avait quelqu'un que tout le monde connaissait, comme un officier gigolo qui piégeait toutes les filles qui avaient un peu de sous. Les filles qui venaient de moi. Il partait s'installer dans un cabaret. Non, pas un cabaret. C'est une boîte. Qu'on appelait New City. Je ne sais plus si ça existe là-bas. New City. Au rond-point express, bien massé. Rond-point express. Cet endroit appartenait à Maurice, c'est pas Maurice, ce n'est pas Maurice Kamto, non, non. Maurice Ndjomo, qui est aussi un féman. Vous comprenez donc son réseau. Vous comprenez donc son réseau. Depuis cette période, je vous dis, depuis cette période, ce gars, ce qu'il a fait, c'est une razzia. J'ai dit que j'allais publier certaines femmes. Mais tellement les listes sont longues que je ne peux même pas les publier parce qu'elles sont des victimes. Et l'une des victimes qui est beaucoup plus présentée dans les réseaux sociaux, c'est Marie Noël Wolo. Je cite son nom nommément. Je cite son nom et parce que son visage, et elle a aussi eu à faire une sortie pour essayer de supplier. Et pour essayer d'expliquer que son restaurant n'est pas acheté par Tabala. Tabala ne peut pas acheter le restaurant à une femme. Dans tous les restaurants ici à Paris, Tabala entre, il boit, il mange, il sort avec la restauratrice, il part. Il va en Suisse, même chose. Il va à tel endroit, même chose. Ça, c'est Tabala. Alors qu'il dit qu'il est le frère de George Weah, l'autre, quoi là, Waka Waka, l'autre grand Féman. Il m'a rien fait. C'est eux-mêmes qui savent que Féman, c'est leur président Féman. Voilà. Mais dans cette histoire, parce que je voudrais vous dire, Tabala a recopié un lieutenant-colonel de l'époque qui s'est mis à Douala. On l'appelait François Pangui. François Pangui, sa spécialité, c'était de piéger les femmes. Il connaissait même quand tu arrives à l'aéroport et il mettait des gens derrière toi, les apacheurs. Je me souviens qu'il y a eu un scandale. J'étais encore au camp. Lorsque ce monsieur avait abattu sa femme de 11 balles. Il est resté dehors.
on lui dit pourquoi il a fait ça. Alors que c'est lui qui venait dormir avec les femmes à la maison, il a dit plutôt qu'il a surpris sa femme machin et tout ça. Ce monsieur avait aussi abattu, je crois, un inspecteur, toujours pour les affaires de femmes. D'abord la boule des affaires de femmes. Il te met une pression. Tu vas lui donner tout ton bonheur. Et comme il est avec les artistes, pourquoi est-ce qu'il connaît l'Ongola? Pourquoi est-ce qu'il connaît tous les artistes d'abat du littoral? Parce que lui-même, il est content quand on cite son nom. Comme ça, les filles viennent. Comme il n'est pas très beau mec, hein? Enfin, c'est l'un des mecs quand même dont je suis un peu plus beau que lui. Parce que bon, moi je sais que je suis là. Ne dites pas que moi je n'ai jamais dit que j'étais beau. Je ne suis pas là. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Je dépasse Tabala. Non, je dépasse. Non, je suis plus beau que Tabala. Donc Tabala, il vient et commence avec toi. Il te pointe l'arme, il fait la sorcellerie, il fait la magie. J'étais sur un seul sujet à l'instant. C'est Tabala qui serait donc le financier de du restaurant de cette marine. Je vais vous dire, lorsque Longa Longa arrive à Paris, il va où? Depuis qu'il est à Paris, il est dans ce restaurant tous les dimanches. Il est dans ce restaurant tous les dimanches. Marine, on lui donne le champagne. La sole, elle s'est même mangé quand même la sole, c'est bien. La dernière fois qu'il était là-bas, il était avec Jackie Kinga. Parce qu'on me dit que c'est le restaurant de Tabala. Donc il faut aller, machin, et tout. Je vous dis que Longa Longa dont nous parlons, était là-bas la dernière fois avec quoi, Jackie? Avec Jackie Kinga. Là-bas joue son chef d'orchestre qui est Bisou Bass. Julien, quand vous partez manger dans le restaurant de la femme de votre ennemi, vous voulez qu'on fasse quoi après? Et le pire, c'est que dans la vidéo, Longa est quand même. Non seulement je vais vous présenter des vidéos où il est là-bas, mais dans l'une des vidéos, il est avec un certain Yoro Joss. Yoro Joss, c'est l'un des premiers femmes à Douala. Il est très riche, mais il est actuellement à Paris. Où Longa lui-même dit, il y a un restaurant où on fait le live, je m'en vais là-bas, et puis, Tabala a des intérêts là-bas. C'est Longa qui le dit. Mais Tabala t'a fouetté et tu dis que tu demandes aux gens d'aller dans ce restaurant-là, s'il a des intérêts. Mais il y a un problème. La réalité, c'est que Tabala n'a pas des intérêts. Peut-être qu'il a eu une aventure avec cette femme. Je ne voudrais pas entrer dans la vie privée. Comme d'ailleurs, je sais que presque toutes les restauratrices, Monsieur le colonel, quand il arrive, machin, oh, je vais t'épouser, je vais faire ceci, je vais te conjurer ça, je vais te protéger et tout, d'autant plus que quand vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce que Tabala fait? C'est lui qui envoie les agresseurs ou ses amis vous faire des problèmes. Et du coup, il se transforme en protecteur. En fait, c'est un maître chanteur. Avant donc de continuer, pour vous décrire ce qui s'est passé, ou encore par rapport à ce restaurant,
parce que je devais, peut-être même avant de montrer les vidéos, la Marie Noël en question, vous la connaissez, parce que si vous écoutez les albums des artistes, on parle d'elle depuis. Elle n'était donc pas avec Kabbala. Puisqu'elle était productrice de jeunes de champ. Parce qu'elle veut vous donner les femmes qui vivaient avec Kabbala et qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Quand il était à Douala. Quand il fouettait Longué. Il était avec une femme là-bas que je vais vous présenter tout de suite. Nous sommes en 2019. Or, vous connaissez Jean Duchamp, le gars qui fait de la musique religieuse. Il a été produit par Marie-Noël Assou. Assou, c'était le nom de son mari. Et à cette époque, je crois qu'elle avait déjà un commerce, un bistrot dans les Landes. Dans les Landes. Donc, tous les musiciens prononçaient son nom parce qu'elle varotait. Elle varotait. Par la suite, je crois qu'elle avait vendu ça avant de venir créer ou d'acheter ce restaurant qui a dû ne pas fonctionner parce que à peine l'achetait-elle chez un arabe, ce restaurant avait dû fermer parce que nous étions en plein Covid. Et dans le Covid, qu'est-ce qu'il fallait faire? Confinement. Donc elle avait commencé à faire, je crois, des choses en ligne, ainsi de suite. Voilà ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'était passé. Donc elle ne pouvait pas être avec Kabbala. Kabbala est un menteur. Kabbala a juste pris sa photo. Comme il est peut-être parti secouer ce coin avec la fille. Moi je ne sais pas s'ils ont secoué, s'ils ont fait quoi. Mais toujours est-il que Kabbala l'a présenté comme sa nouvelle femme. Comme ceci, comme cela. Parce que dès qu'il sort avec une femme, allez, il met seulement sur le profil, il commence à te demander de l'argent, il commence à t'escroquer, il commence à faire ceci et ça. Kabbala, c'est un gigolo. Kabbala, c'est un gigolo. Et d'ailleurs, Longué, quand il arrive là-bas, et c'est là où je vais vous présenter donc la vidéo. Pour qu'on me dise, comment est-ce qu'on peut dire que non, le restaurant, ça avait de l'argent, on va aller faire ceci et cela. Mais Longué lui-même, il va là-bas. C'est là-bas où ces gens jouent. Attendez, vous ne pouvez pas aller jouer et manger dans la maison de votre ennemi, sauf si, franchement, et tout. Sauf si, moi, je ne comprends pas. Voilà. Je vais d'abord vous montrer là où il parle avec Yorodios. Et après cela, toutes les autres images, vous allez voir que c'est dans ce restaurant-là. Et avec cette dame-là. Je vais y avoir la loi où ça joue à l'âge. Tout le monde boit le champagne. C'est pour ça. Je ne peux pas appeler le nom. Tu le diras à tes amis. C'est trop. Commandant Kabbala. Vous avez entendu? Il dit commandant Kabbala. Attendez, je vais reprendre. Parce que vous allez entendre comment lui-même il dit que c'est commandant Kabbala. Il demande aux gens d'aller là-bas. Et ça, nous sommes en 2024, hein, à Paris. 2024 à Paris. C'est-à-dire que quelques temps, il y a un mois. Attendez, à peu près, on reprend. Je vais y avoir la loi où ça joue à l'âge. Tout le monde boit le champagne, c'est pour ça. Je ne peux pas appeler le nom. Peut-être tu le diras par tes amis. Le commandant Kabbala, oui, a un lieu là-bas. Super. D'accord, donc c'est Kabbala, c'est un peu de. Voilà, je l'appelle tout à l'heure et puis je vais dire le. Voilà. Bon, ici c'est Paris, des années autres, fort depuis longtemps, un homme béni. Nous sommes le 31. Bien voilà, Kabbala, on fait pas seulement le 31, nous ne sommes pas en plein. 2024, ce n'est pas une vidéo d'avant. Parce qu'après, on dit c'est sûr que c'était quand il était ici avant. Non. Il est là. Voilà, le 31. Aujourd'hui, là, ça fait un mois, 31. Je suis arrivé le 31, 2024.
C'est propre. Ça fait un mois que je suis là. Et je confirme. Voilà. L'histoire de Dieu, c'est coupé. Là, nous sommes dans le restaurant. Bisous, hein? C'est le chef d'orchestre de Longue Longue. Il est petit pays ici, je crois. Encore un extrait. Une autre fois, toujours Longue Longue. Et vous allez voir la dame à côté. C'est elle qui va prendre le micro là. Et vous voyez tous les artistes. Bon, vous avez donc constaté que ce restaurant, Longue Longue y va, il mange, il joue et invite plutôt les gens à aller en disant que Tabala, son ami commandant, attendez, on n'est plus au Cameroun. On n'est pas au Cameroun pour dire que peut-être que j'ai peur de ceci et cela, mais si vous continuez à entretenir des relations avec Tabala, comment est-ce que vous voulez que ce soit une dame qui peut-être a entretenu une relation ou entretient une relation avec Tabala qui finalement subisse les foudres dans la mesure où Tabala n'a jamais sponsorisé. Elle a eu son argent, elle a acheté chez un arabe avant de rencontrer Tabala et Tabala est libre d'aller dans tous les restaurants. Et d'ailleurs, Banqui, moi-même j'ai trouvé Banqui dans un restaurant ici à Paris. Et voilà, c'était au 18e. Ils vont dans tous les restaurants. Tous les ministres vont dans tous les restaurants ici. Dans ce cas, il faut bloquer tous les restaurants camerounais. Et même les Champs-Élysées y vont. C'est comme ça. Et comme je vous le disais également, ce n'est pas seulement une affaire de vouloir combattre le régime. C'est aussi savoir où on met les pieds. C'est aussi savoir où on met les pieds. Vous n'allez pas partir quelque part, vous vous faites fouetter, tabasser, mais vous continuez à honorer cet individu. Tabala, c'est un animal. Quelqu'un ne peut pas me fouetter comme ça et il devient mon ami. Je le continue à l'appeler commandant. Mais attendez. Et après, je vais dire que non, il faudrait qu'on me donne, qu'on le déshabille. Mais entre-temps, vous venez de l'appeler il y a quelque temps. Commandant, vous demandez aux gens d'aller là-bas. Et maintenant, on se cache, on dit, non, c'est plutôt le restaurant qui a un problème. Mais non. Tous les gens que vous voyez là, les femmes là, ils sont avec tous les tortionnaires du Cameroun. Ils sont avec tout le gouvernement. Les influenceuses que vous voyez là sont avec le gouvernement. Mais en même temps, ils sont avec les artistes. Soyons donc logiques, on ne peut pas aller saboter, saborder un restaurant, un lieu de commerce d'autrui où Tabala lui-même a des factures impayées. Mais c'est un gigolo. Et cette femme a peur, elle ne peut même pas prononcer son nom. Si elle tente, parce qu'elle-même, elle a des activités au Cameroun. Le gars là, mince. Il y a des gens qui ont dit que, oh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit que je condamne, je fais ceci et cela. Si Eto'o a déjà peur de condamner, si les autres ont peur de condamner, si même les amis de Longue Longue, là où ils buvaient les champagnes dans les dernières vidéos, là, ils ont peur de condamner. C'est la femme qui allait peut-être au lit avec Tabala, là, avec son anaconda, là. Voilà Longue Longue qui joue chez ça avec Tabala. Là, c'est à Kribi, hein. Nous sommes en 2023. Voilà. Voilà. Non, ici, c'est déjà dans un cabaret. Mais là, il dit qu'il ne peut pas aller au Cameroun. Mais il était quand même chez Tabala. Bon. Mets-toi à genoux.
Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que le régime Biya est très dangereux. Très dangereux dans la mesure où parfois les femmes ont été prises pour cible parce que non seulement elles ont collaboré, d'autres n'ont pas collaboré et d'autres souvent ont payé. Prenez seulement l'histoire de Sopo, comment on l'appelait, Christiane, la secrétaire de Marafa. Elle a été assassinée par qui? Par le régime qui soupçonnait qu'elle avait des informations et qu'elle devait même avoir une relation avec Marafa. Aujourd'hui, il y a un problème de clan, une lutte de clan. Le clan Gongo, bien évidemment, qui serait aussi très content de renverser actuellement l'autre clan qui est de l'autre côté. Et là-dedans, si on soupçonne que tu es avec elle, même les femmes, vous passez à la moulinette. Kabbala a passé le temps, même auprès de ses ministres. Il y a des membres influents du gouvernement que Kabbala a attrapé leur femme comme ça, juste parce qu'ils montaient un faux dossier contre le ministre. Les faux renseignements. Le ministre a fait ceci, le ministre a fait cela, a financé, dès qu'on dit, a financé l'ambazonie, a financé Boko Haram, c'est fini. Le ministre est obligé de se mettre à genoux. Il va même laisser sa femme à la disposition de Kabbala. Kabbala donc, c'est un prédateur. Et ce prédateur, en même temps, quand tu n'es plus utile, il te tue. J'ai eu au moins, vous vous rendez compte, 11 témoignages des femmes qui me disaient, quand même, j'ai découvert qui il était, j'ai voulu partir. Le gars sortit l'arme pour dire, je vais t'éclater, te faire éclater la tête. Et vous croyez qu'il blague? Si les hommes comme ça tuent, soi-disant leurs rivaux, si tuent leur épouse, combien de fois? Une benguiste qui l'a pêché comme ça là, parce qu'il les pêche. Il suit le truc, il suit les pages Facebook, il voit celle qui bouge beaucoup, elle voit ceci et cela, il voit celle-là à telle relation, l'autre est l'épouse de telle. Boum! Il te fait trembler. Oh, pardon, mon époux, ne fais pas ça, mon mari, n'envoie pas. Bon, on verra ce qu'on va voir. Bon, je vais réécrire là, je vais faire ceci et cela et tout, tout, tout. Il commence à te matraquer. À Douala, il était. Quand il torturait Longuet, justement, il n'était pas avec celle-ci. Mais il était avec une autre. Marie-Solange, un peu tannée. Pourquoi? Parce que celle-là faisait les affaires compliquées avec Gongo, avec Mbongo, ministre de la Défense. Bon, je ne vais pas trop la présenter. Parce que même elle là, je ne voudrais pas, surtout qu'elle est actuellement à Paris. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive. Elle est en fuite. Elle est en fuite.
Parce que Longuet lui-même, ici, qui est avec Marie Noël. Ils sont en train de s'embrasser là. Après, on dit que oh, yo, c'est l'ennemi public et tout. Non, non, non. Il faut qu'on soit juste. S'il fallait donc voir celle qui a pris l'argent du sang des Camerounais, c'est celle-ci. C'est une femme de Boroa qui elle-même sortait, était l'épouse d'un Bamileke. Et Dabala est parti l'enlever sur des chantages. Pourquoi? Parce qu'il avait su que celle-là était un prêtre, non, du ministre Mbengo, qui volait de l'argent. Vous savez que Mbengo est le ministre qu'on avait officiellement dit qu'il avait 83 immeubles. 83 immeubles. Un seul ministre. Et qui d'ailleurs se trouve en prison avec le colonel Mboubou, qui a été surpris ici à Paris avec des mallettes d'argent. Cette femme donc, c'est elle qui vivait avec Dabala dans la même maison. Elle a abandonné son mari pour aller vivre avec Dabala à Douala. Rien qu'un salon. Au moment où Mbengo prenait aussi sa part ici, auprès de certains qui avaient, ceux-là qui ont fait des marchés fictifs, elle aussi, elle achetait des salons de 40 000 euros qu'elle a mis dans la maison de Dabala. Chaque soir, Dabala sortait avec d'autres femmes pour aller demander 10 millions, ça finit. Il revient à la maison, il prend encore. Parce que je vous ai dit qu'elle était dans les marchés fictifs. Vous savez que Mbengo est poursuivi peut-être pour des marchés fictifs que les gens ne connaissent même pas. Mais donc, lorsque vous vous rendez compte que seulement les marchés fictifs de Mbengo, on vous fait comprendre que le premier, c'est 20 milliards. On vous dit que pour les tenues militaires, 163 milliards. On vous dit que sa propre épouse, 196 factures. Elle-même aussi, détournement de près de 11 milliards. Et celle-ci que je vous ai donc dit, Marie-Solange, je tombe ta main, parce que j'ai dit, je ne voudrais pas trop, je n'aime pas trop afficher. C'est avec un cœur douloureux, parce que Yves Saint-Laurent, hey, maman, non, c'était même une femme d'un certain âge qu'il exploitait comme il n'est pas autorisé. Ça, c'est l'argent du sang des Camerounais. Je vous ai dit qu'elle est ici, à Paris. Elle, c'est la coule douce, parce qu'elle était un prête-nom de tous ces marchés qui se sont passés et de toutes ces escroqueries. Mais sauf que quelques temps après, vous savez que Mbengo va quitter le gouvernement également pour aller en prison, donc en 2018. Parce que Mbengo part d'abord au ministère des Transports et va faire quelques petits marchés là-bas. Mais Dabala voit qu'il n'y a pas beaucoup de combos comme ceci et cela. Il commence à chercher d'autres femmes, d'autres cibles. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Dabala là? Elle revient un jour, celle qui finançait tout, vient trouver qu'il a déjà changé toutes les serrures. Il ne la veut plus après avoir lu à l'escroquer correctement. C'est pour ça que je n'affiche pas son visage, même si elle a volé. Parce que Dabala a tout escroqué. Et lui, sa spécialité, ce type-là, d'abord, il prend ton nom, il prend tes sous-vêtements, il prend les cheveux, il prend les ceci du verre, bim, dans la bouteille. Il ferme. Direction, il va jeter dans la mer.
combien de témoignages j'ai ici. Et combien ces femmes ont une peur bleue de telle sorte qu'elles ne mettent même pas pied au Cameroun. Et même celles qui peuvent être au Cameroun, Tabana continue à nuire. C'est une torture. Parce que la torture psychologique, faire la pression sur les femmes de cette façon-là, imposer mais c'est très grave. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit, je ne voudrais pas tout de suite refaire d'autres victimes collatérales. Tabana doit payer de ses fautes. Même pas de ses fautes, de ses crimes. Tabana ne doit pas entraîner plutôt des victimes. C'est comme si une femme vient se plaindre qu'elle est battue par son mari, qui dit, oh non, non. En réalité, c'est que ton mari, vraiment, elle est ceci, elle est cela, donc il n'y a pas moyen. Non, non, non. Le régime Biya fonctionne avec des gens comme Tabana. C'est-à-dire, on tire les femmes et les hommes de pouvoir par le sexe. Et après, on les assassine. Parce que Tabana lui-même, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est uniquement parfois des missions. On dit, il faut que tu tiennes tel grand. Et pour que tu le tiennes, tu vas attraper sa femme. Tu le déroutes. C'est comme ça qu'un est tombé, un jeune lieutenant d'ailleurs. Il est tombé entre les mains de la femme de Ngongo. Céline Ngongo. Un jeune lieutenant. Il venait de sortir de l'énorme, dynamique et tout. Beau. On l'appelait Jean-François ou Jean-Louis Mbenga. Qu'est-ce qu'il faisait avec la femme de Mangan? Parce que même ces gens-là, c'est-à-dire que même ces gens-là, ils te piègent. Jean-Louis Mbenga aussi, comme Ngongo faisait ses machins et tout et tout et tout, Jean-Louis Mbenga aussi est parti avec la femme de Ngongo. Comme un bon petit gigolo aussi là. Et il semble que là-bas, selon certains témoignages de sa famille, qu'on ne faisait que recueillir son sperme contre de l'argent, les machins et tout ça. Mais quand Ngongo a découvert, quand Ngongo a découvert celui-là, on l'a envoyé là-bas au Nozo. Quand tu vas au Nozo, on va finir avec toi. C'est comme ça qu'on est parti finir avec lui. On l'a assassiné. Celui qui l'avait assassiné, je crois que c'était le neveu du Titus Ebobo. Ancien commandant de... Oui, Titus Ebobo. Ancien commandant de la GP. C'était son... Je crois que c'était son petit-fils. Il est parti l'assassiner. Il avait la mission. Mais comme dans ces missions-là, c'est pour ça que je vous vois, je vous dis que ces femmes-là ne peuvent pas parler. Lui-même aussi, il était parti au deuil de son ami, hein. Dès qu'il est rentré, boum, on l'a aussi assassiné. On a trouvé son cadavre juste au niveau de la porte. Mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? On nous a juste dit que non, il a été tué vraiment au front par les Amazoniens. La femme de Ngongo a repris un autre là, qui a aussi été envoyé. Parce que comme je vous dis, par exemple, c'est-à-dire que les ennemis de Ngongo envoient les hommes en tenue là. Comme Ngongo lui-même aussi envoie d'autres gens en tenue. Donc, je vous ai dit que c'est des criminels. Ils utilisent des femmes comme des marchandises. La femme de Ngongo a repris le cousin de Mbenga qui a été tué. Il a fait quelques coups là, allez, boum. On l'a aussi terminé.
Kabbalah fait partie d'une industrie dangereuse contre les femmes. Et la société devrait empêcher aux gens comme Kabbalah d'être dehors parce que depuis sa vertigénesse, c'est son seul travail. Et je vous ai dit qu'ils utilisent les apatures. Les femmes qui parlent, vous qui partez faire les affaires là au Cameroun. Quand vous voyez, quand vous entendez des gens, oh, colonel a fait ceci, fuyez, fuyez, fuyez. Quand vous entendez les gros galons, fuyez. Ils vous connaissent d'avance. Et vous-même, vous savez qu'ils ne vous protègent pas. Ils vous mettent plutôt en danger. Et à la fin, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez les factures, c'est vous qui payez ceci, c'est vous qui payez cela. Chaque jour, Kabbalah, chaque année, la mère de Kabbalah, chaque 6 mois, la mère de Kabbalah est malade. Après cela, chaque année, la mère de Kabbalah est bien morte. Et tout ça, c'est la femme qui envoie l'argent des médicaments. C'est la femme qui envoie l'argent du deuil. L'année suivante, la même mère de Kabbalah est encore malade. La même mère de Kabbalah est déjà encore morte. C'est la même mère de Kabbalah qui, chaque femme, elle-même, elle est morte de fémania. Vraiment, je n'aime pas insulter les morts et surtout les mamans. Mais maman, pardonne-moi. La qualité d'enfant que tu as fait là, de monstre que tu as fait là. Et tu as laissé, tu es une femme, tu as laissé, tu es au-delà avec ma mère. Tu as laissé que Kabbalah détruise autant de vies. Et qu'il soit si méchant. Il a eu ses filles là derrière les artistes. Si je vous cite les artistes aujourd'hui qui sont avec Kabbalah, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et d'ailleurs, même, combien de chanteuses même ne sont pas allées au lit de Kabbalah? Ou bien de ses colonels. Si je cite ces gâtés, mais comme c'est la vie privée, et comme elles n'ont rien à voir avec la torture de Longuet, je dis bien qu'elles n'ont rien à voir avec la torture de Longuet. C'est comme si tout de suite vous allez dire que mon épouse est responsable de ce que je suis en train de dire là. Elle n'est même pas au courant de ce que je suis en train de raconter là. Elle ne connaît même pas un seul de mes dossiers. Rien. Donc on ne peut pas dire que c'est telle ou telle femme aujourd'hui. Mais cependant, si une femme a participé aux assassinats, aux tortures, aux vols, elle porte la même responsabilité parce qu'elle était complice. Mais une femme ne peut pas avoir le don d'ubiquité de savoir que telle avait déjà tué, telle avait torturé telle. Et toi-même qui as été torturé, tu repars donc boire dans le restaurant, tu manges dans le restaurant de cette femme. Ils ont fini avec toi. Si alors c'est très dangereux, si elle était même très dangereuse, comme par exemple celle qu'on cite là avec son restaurant là, mais elle t'empoisonne une seule fois puisque c'est elle-même qui prépare. Nous devons juste avoir une seule chose. De tout ce qui arrive à Longuet, c'est une leçon. Ça peut nous arriver à nous tous. Ça peut vous arriver. Personne n'est fort devant toi. Personne n'est leur ami. Tous sont des sorciers, des buveurs de sang, des serviteurs de Belzébuth. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette édition spéciale depuis notre centre de production. Quand l'armée protège les bourreaux de l'enquête sur les abus du lieutenant-colonel Kabbalah,
En fait, il faudrait donc retenir qui est Tabala. C'est pour le moment celui qu'on appelle le tout-puissant de l'armée, que tous les généraux et voire les ministres sont derrière lui. Et c'est un homme vraiment stratège. C'est l'un des employés de M. Biya. Nous n'allons plus à discuter parce que nous fournissons toujours notre bel contenu pour que vous soyez toujours informés. N'oubliez pas de vous abonner.